Donc, comme vous voyez, triangle ABC. Donc, on a A, B, C. Alors, c'est un triangle quelconque. Alors, on veut montrer que C sur A plus B, plus B sur A plus C, plus A sur B plus C est inférieur strictement à 2. Alors, c'est ce qu'on va faire. Bien, donc, on va faire la solution. Alors qu'est-ce qu'on sait? Si A, B, C sont les côtés d'un triangle, alors on sait que, alors si on a ici A, par exemple C, si on a A et c'est B, alors forcément A plus B est supérieur strictement à C. Sinon, c'est-à-dire si A plus B est inférieur à C, on n'aura pas un triangle. On n'aura pas un triangle. Alors si on a ici B et on a ici A, on ne peut pas trouver un triangle. Donc ici, ce n'est pas un triangle dans ce cas-ci. Dans ce cas, A plus B est inférieur strictement ou égal à C. C'est inférieur ou égal à C, donc ce n'est pas un triangle. Ce n'est pas un triangle. C'est un triangle. Mais pour qu'il soit un triangle, il faut que A plus B soit supérieur strictement à C. Donc de même, B plus A, B plus C est supérieur strictement à A. Et de même, A plus C est supérieur strictement à B. Donc c'est ça la condition. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, si je note ça étoile, alors, étoile implique que A plus B plus A plus B est supérieur à C plus A plus B. De même, B plus C plus B plus C est supérieur à A plus B plus C. Et de même, A plus C plus A plus C est supérieur à B plus A plus C. Voilà. Donc ici, nous avons ça. Et encore, nous avons C plus A plus B est égal à P. On va l'opposé, est égal à P. A plus B plus C, c'est le même, c'est P. Ça, c'est B plus A plus C est égal à P. Alors, on peut dire depuis le début, posons P est égal à plus B plus C. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? A plus B. Alors, si j'appelle ça double étoile, alors A plus B plus A plus B, c'est 2. Donc, deux étoiles nous donnent deux facteurs de A plus B est supérieur à P. De même, deux facteurs de B plus C est supérieur à P. De même, deux facteurs de A plus C est supérieur à P. Bien. Alors ici, donc on a 1 sur A plus B fois 2 est inférieur à 1 sur P.
ce qui implique encore qu'on a. Et de même, 1 sur 2 facteur de B plus C, on a fait l'inverse, est inférieur à 1 sur P. De même, 1 sur 2 facteur de A plus C est inférieur à 1 plus P. Alors tout cela nous donne 1 sur A plus B est inférieur à 2 sur P. 1 sur B plus C est inférieur à 2 sur P. Alors je multiplie C par 2, si je multiplie par 2, 2 s'amplifie avec 2, et nous reste 1 sur B plus C inférieur à 2 sur P, de même ici. Et encore, je multiplie par 2, je multiplie par 2, donc j'aurai 1 sur A plus C est inférieur à 2 sur P. Alors maintenant, donc on a, alors ici, alors si j'appelle ça, alors 3 étoiles par exemple, donc 3 étoiles implique, nous implique que, alors je vais multiplier C par C, donc C sur A plus B, est inférieur à 2, C sur P. Je multiplie ici par A. A sur B plus C est inférieur à 2A sur P. Je multiplie ici par B. Donc B sur A plus C est inférieur à 2B sur P. Alors, ici, on a, donc directement ici, on va faire, alors si je prends ici 4 étoiles, alors 4 étoiles, il va, donc va impliquer, alors que je vais faire la somme, donc c'est C sur A plus B, plus A sur B plus C, plus B sur A plus C est inférieur. Alors j'ai 2 sur P, 2 sur P, 2 sur P. Je vais faire un facteur. Il me reste C plus A, ici plus B. Mais C plus A plus B, c'est P. Mais A plus B plus C est égal à P. Donc, C sur A plus B, plus A sur B plus C, plus B sur A plus C est inférieur à 2P fois P. Donc 2P sur P, alors on a ces deux. D'où le résultat demandé. Qui est C sur A plus B, plus A sur B plus C, plus B sur A plus C est inférieur à 2. Donc c'est ça le résultat demandé, on l'a démontré. Je vous souhaite bonne compréhension et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc, au revoir.